Ouais, vous m'avez entendu dire le allez, hein. Je me sais bon, c'est pas grave. Bon. Yo tout le monde, c'est Izzy Esteban. Putain, hey, j'ai l'habitude encore avec Izzy, wesh. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo. On va faire le niveau 2 du mode arcade. Le niveau 3, 4, 5, 6. Mais bien sûr, dans 5 vidéos différentes et peut-être la 7, hein. Ouais, bah. Clairement, il y a des trucs pas mal. Soit là, négociation béton, soirée bien arrosée. J'en ai vu une, je viens juste d'en voir une. Ma vie pour une capote. Ah putain. Nouveau match sur Tinder. Non, sérieusement, les petits trucs pas trop mal, hein. Je tiens à préciser, je suis sur une version gratuite quand même. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des commentaires. Je réponds à tous les commentaires, même les méchants. Clairement, pour l'instant, je réponds à tous les commentaires. Voilà. Clairement. Enfin, dès que j'ai internet, clairement, dès que j'ai internet, je vois un commentaire, je fais bon, tac tac tac, j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça. Je me rappelle, j'avais eu beaucoup de commentaires pour le dernier épisode sur le dernier épisode de Charlie. De Blaze. Pourquoi Charlie, je sais pas. Bon allez, sur ce, on va commencer le niveau 2 avec une négociation béton. C'est parti. Oh, pause, pause, pause. On va recommencer. Vous me le dites en commentaire, là je vais le faire normal, mais est-ce que vous préférez que dès que ça écrit en majuscule, ça crie, que dès que c'est une meuf, j'essaie de faire une voix un peu pré-efféminée, genre... Bonjour monsieur. Comment... Ouais, c'est bizarre, mais il faut se mettre dans le personnage, quoi. Bon, allez, c'est parti. Parker, dépêchez-vous. Il y a 30 otages à l'intérieur de cette banque. Vous allez devoir montrer vos talents de négociateur. Prenez le téléphone. Le braqueur est au bout du fil. Oh, je m'en souviens. Oui, parce que j'avais déjà joué à l'époque. Vous m'entendez? C'est vous le méchant? Parker! C'est pas moi le méchant, monsieur. C'est ces putains de banquiers qui m'ont asservi pendant des années. C'est eux qui méritent de crever! Je comprends. Très bien. Maintenant, écoutez-moi. Je veux un hélicoptère. Sur le toit du bâtiment, dans 30 minutes. McCoy, donnez-moi de quoi noter. Tenez, Parker, un stylo? Faites-le ou je tue un otage. Non, c'est trop méchant. Je parle à qui, là? Un gamin de 8 ans. Parker! Ressaisissez-vous, vous dites n'importe quoi. Aïe. Parker, c'était quoi, ça? Pitié, donnez-lui ce qu'il demande. Il vient me tirer dans la jambe. Ah, ça fait mal. C'était un avertissement. Très bien, allez sur le toit. Vous me prenez pour un con? J'irai sur le toit quand l'hélico sera là, pas avant. Je sais très bien que vous avez des snipers postés sur tous les toits. Venez vers la fenêtre si vous... Nous faisons arriver l'hélicoptère maintenant. Ok, j'arrive. Je prends l'otage avec moi. Je rappellerai une fois en haut. Parker! Il n'y a pas d'hélicoptère qui arrive. Et cet otage va crever si on n'intervient pas. Michael, McCoy, vous cassez les couilles à mort! Attention à votre langage, Parker! Vous flirtez avec les limites. Je suis à cran, désolé. Préparez un hélicoptère, j'ai une idée. Ok. La prochaine fois que vous adressez un mot de la sorte, je vous garantis mon poing dans la gueule. On va préparer un hélico. Le pilote est prêt? On fait quoi maintenant? On prépare l'assaut. On va pas prendre de goûter. Je vois. Hein. Je suppose que vous voulez que les snipers l'abattent une fois sur le toit. Ou vous souhaitez mettre des hommes armés dans l'hélicoptère. Je vous préviens, le braqueur est armé jusqu'aux dents et formé au combat. Les snipers, McCoy, les snipers! Très bien. J'espère que vous êtes sûr de vous. On rappelle le braqueur. Oui? Vous êtes où? J'arrive. 2 secondes. Je suis devant la porte. Je peux ouvrir? Parker, on va le fusiller! Ouvrez bien grand la porte. Pan. Je sors. Si c'est un piège, croyez-moi, vous allez payer. Pan. Les snipers l'ont eu en pleine. C'est bon, Parker. Bande d'enculés!
C'est un otage qui a ouvert la porte, vous croyez quoi? Puisque je vois que vous ne me coopérez pas. Oh putain, bravo Parker, il a buté tout le monde. Il n'y a aucun survivant. On retourne en arrière. Allez, bon, bah, on connaît, hein. Enfin, vous m'entendez? Je vous écoute. On va rester sérieux. Je le répète une dernière fois. Je veux un hélicoptère sur le toit du bâtiment dans 30 minutes. McCoy, donne-moi de quoi noter. Tenez, Parker, un stylo? T'inquiète. Faites-le ou je tue un otage. Non, c'est trop méchant. Non, ne faites pas ça. Eh bien, trouvez-moi ce putain d'hélicoptère et dépêchez-vous. Putain, c'est un avertissement! Mais il est dans la norme! C'était un avertissement. Cet otage va mourir d'une hémorragie. Comment ça? Putain, ok. Raison de plus pour me filer de cet hélico rapidement. Il arrive dans 45 minutes, il mourra avant. Non, il ne mourra pas. Vous dites des conneries. Ouais, je suis complètement défoncé. Il y a un médecin dans les otages? Y a-t-il un médecin ici? Non, y a pas de médecin. Qu'est-ce que je dois faire? On peut faire venir des secours? Vous voulez me piéger? Vous croyez que je vais me laisser faire? Personne ne vient. S'il meurt, c'est pas cool, hein. Oui. Ok. Mais encore. Bah si. Et vous n'aurez pas d'hélicoptère. Putain de merde. Bon. Faites venir vos secours. Appelez-moi quand ils sont là. Parker! Vous croyez vraiment qu'il va croire au vrai secouriste? Tu crois bien que tu n'es pas une merde, toi. Parker! Nous on verrons ça plus tard. Vous souhaitez qu'on mette des hommes armés dans les secours, si j'ai bien compris? Ou alors vous souhaitez... Bah... Mettez les soldats, hein. Ok, Parker, j'espère que vous savez ce que vous faites. Il va ouvrir. On rappelle le braqueur. Vous m'entendez? Oui. J'entends une voiture devant. Ce sont eux? Je peux ouvrir? Oui. Ok. Je sortirai pas. Dites-leur qu'ils peuvent entrer. Je transmets l'info. Les secours ne partiront pas d'ici, par contre. Ils resteront là jusqu'à ce que je m'en aille. Tout à fait. Très bien. Quoi? C'est bon, Parker. On me confirme que le braqueur est mort. Aucune victime à déplorer. Bon boulot, Parker. Vous êtes un abruti, mais vous avez réussi. Bravo. Est-ce que si je lui plante le crayon, ça me fait recommencer? J'avoue, j'ai envie d'essayer. Parker, putain! Putain de merde, vous êtes complètement con! Vous m'avez crevé l'œil! Ça a marché, wesh! Ouais, sur ce, les amis, on se retrouve bientôt pour l'épisode 3 qui est juste là. Ah, mais ça fait taper des barres. Non, mais c'est bon. Petite vidéo de 8 minutes, sympathique. On se tape des barres. Sur ce, peace!